Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vous montre comment faire un puzzle avec une image de votre choix. Important, on a besoin d'imprimer la photo avec une imprimante laser. Après, on a besoin d'un support pour puzzle, transfert d'image, transcrire. Et quelques outils pour bien travailler, dont un ciseau pour les ongles. La photocopie de mon support puzzle et les papiers de calque. Je vais faire 6 couches de transcrire. Je vais laisser sécher minimum 20 minutes entre une couche et l'autre. Dans le tout, faites une couche en plus qu'en moins. C'est mieux avoir une image bien épaisse. Et maintenant, on laisse bien bien sécher. Après 24 heures de séchage minimum, on va enlever les papiers derrière l'image. Il faut un support plastifié. Si vous avez une petite éponge, autrement, on peut faire avec les mains. On attend 5 minutes que l'eau il imbibe bien les papiers. Délicatement, on frotte et on enlève les papiers. On va bien nettoyer l'image sous l'eau courante et on laisse sécher l'image sur un torchon en coton.
Si vous n'avez pas enlevé assez de papier, vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois. C'est mieux faire par étapes que frotter trop fort. Autrement, on enlèvera des pigments de l'image. Ma pellicule en plastique elle est bien sèche et je peux procéder à la prochaine étape.
voilà le résultat final de mon puzzle. Cette technique, ça demande beaucoup de patience dans la coupe de l'image, mais le résultat, il est là. J'espère que ce tuto, ça vous a plu et à bientôt avec Arobi. Ciao, ciao!